1756, le minéralogiste suédois Axel Fredrik Cronstedt découvre la stellérite. Cette roche est la première d'une nouvelle famille qui compte 70 variétés naturelles, les zéolithes, du grec lithos, pierre, et zéo, bouillir. Car quand on la chauffe, cette pierre se met à bouillir. Le squelette minéral d'une zéolithe se compose de tétraèdres, SiO4 en jaune et AlO4 en rose. Une liaison SiAl mesure 3 angstroms. Un tel assemblage délimite des cages et des cavités de dimension moléculaire. Cet édifice minéral est chargé négativement. Comme la nature n'aime pas les déséquilibres, elle installe des cations, des espèces chargées positivement, généralement des cations sodium, dans ses pores. Ces cations sont entourées de leurs molécules d'eau. Ainsi, quand on chauffe la zéolithe, ces molécules d'eau se mettent à bouillir. Un seul gramme de zéolithe comprend des milliards de pores ou de cavités semblables. Mis bout à bout, la surface que développent les pores ou cavités de ces matériaux peut atteindre 900 mètres carrés pour un seul gramme, soit plus qu'un terrain de handball. Ces caractéristiques, canaux et cavités de dimension moléculaire, cations de compensation hydratées, permettent d'envisager de nombreuses applications, les principales étant l'adsorption, la catalyse, l'échange d'ions. Du 27 avril au 2 mai 1986, 1800 missions héliportées ont largué 5000 tonnes de matériaux divers sur le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. L'épandage de zéolithes visait à capturer des produits radioactifs. Ainsi, une zéolithe naturelle, la clinoptilolite HEU, a fixé les cations césium, mais aussi strontium radioactifs, par échange avec les cations sodium, évitant la dispersion d'atomes radioactifs dans l'environnement, puis dans la chaîne alimentaire. L'utilisation des zéolithes naturelles a ses limites. Elles contiennent des impuretés qui peuvent porter préjudice aux applications souhaitées. Ainsi, on a élaboré des zéolithes de synthèse. Cela permet d'obtenir des produits chimiquement purs et d'élargir le panel avec des substances ayant des propriétés inédites à l'état naturel. Désormais, on recense environ 70 structures naturelles et 120 synthétiques. Pour les identifier, on utilise une nomenclature de 3 lettres capitales, ici des cristaux EMT. Pour la synthèse de la zéolite EMT, on utilise des réactifs comme une source de silicium, une source d'aluminium, un gabarit organique appelé structurant autour duquel va se construire le squelette minéral, et puis de l'eau.
Après homogénéisation, le mélange est placé dans un petit conteneur, un autoclave en acier inoxydable. Celui-ci est ensuite porté à une température inférieure à 200 degrés, dans une étuve, pendant des durées variables qui dépendent de la nature de la zéolite. Voilà ce qui se passe pendant la période de chauffage et comment se transforment les réactifs en zéolite. Les unités de construction de la zéolite, les tétraèdres SiO4 en jaune et AlO4 en rose, vont venir s'assembler autour du gabarit organique, représenté par les boules bleues et rouges, pour construire le squelette minéral. Les objets sont ici de taille nanométrique. Typiquement, une liaison rose et jaune fait 0,3 nanomètres, soit 0,3 millionième de millimètre. On aperçoit ici une vue de l'assemblage autour du gabarit organique. En prenant de la distance, cet assemblage conduit à des plaquettes hexagonales de taille proche du millième de millimètre. Puis, à notre échelle, ces plaquettes correspondent à de la poudre. Le produit obtenu n'est pas poreux, puisqu'il contient le gabarit dans sa porosité. Il faut donc éliminer ce gabarit pour libérer cette porosité. Ceci est réalisé par une calcination du matériau à haute température pendant quelques heures. On obtient alors le squelette de la zéolite EMT, qui présente des tunnels avec des ouvertures de 0,74 nanomètres de diamètre. Cette taille est de l'ordre de la taille des molécules. Le produit, après une mise en forme, est prêt pour de nombreuses applications. Parmi les applications utilisant les propriétés d'adsorption des zéolites, le double vitrage. Du fait des différences de température, la vapeur d'eau éventuellement présente entre les deux parois vitrées se condensera en buée. Sauf si un joint parfaitement étanche est complété par une couche de zéolite qui peut piéger l'humidité. C'est l'adsorption. Ici, la zéolite LTA, sous sa forme déshydratée, capte les molécules d'eau présentes. On sait aussi synthétiser des matériaux qui n'aiment pas l'eau et adsorbent d'autres substances, notamment des composés organiques volatiles, les COV, comme les produits soufrés, le formol, le benzène. Parmi les applications utilisant les propriétés d'échange d'ions, les lessives sans phosphate. Beaucoup de lessives contiennent des phosphates, dont la fonction est de piéger les cations calcium. Or, les phosphates sont néfastes pour l'environnement, car ils procurent un engrais aux algues qui prolifèrent et accaparent l'oxygène disponible au détriment des poissons qui dépérissent. Depuis 1974, certains détergents incorporent jusqu'à 30% en poids de zéolite LTA, qui assure la même fonction. Cette zéolite, très fine et inerte, reste en suspension dans l'eau de rinçage.
Une fois libérée dans le milieu naturel, elle ne contribuera pas au développement des algues. C'est actuellement le plus gros tonnage d'utilisation des zéolithes. Parmi les applications utilisant les propriétés de catalyse, le craquage du pétrole. Dans ce procédé, la charge qui arrive, en rouge ici, et les particules de catalyseur qui contient de la zéolite, en jaune, se rencontrent à une température proche de 400 à 500 degrés. Les molécules hydrocarbonées vont être craquées et coupées en petites molécules d'essence, en bleu. Au cours de ce craquage, la zéolite va se désactiver, devenir noire, s'entourer de coques et donc perdre ses capacités. Il va falloir la régénérer. Les particules de catalyseur que vous voyez ici sous forme de billes et qui contiennent 20% de zéolite et 80% de liant sont envoyées dans un four à haute température à 800 degrés de façon à éliminer le coke et régénérer la zéolite. Par ce moyen, on augmente considérablement la production d'essence. Des protons H+ remplacent les cations sodium. Ces matériaux, aux propriétés fortement acides, sont utilisables en catalyse acide et capables de couper les grosses molécules hydrocarbonées. Les zéolithes sont des aluminosilicates composés de tétraèdres. D'autres matériaux leur sont apparentés, par exemple les silicates qui ne contiennent pas d'aluminium, les métallophosphates qui ne contiennent pas de silicium ou les argiles. La particularité des argiles, qui sont aussi des aluminosilicates, est leur structure en feuillet. Ce facteur de forme accroît leur capacité d'absorption et de compensation de charge. Tous ces matériaux, zéolithes et matériaux apparentés, silicates, argiles, métallophosphates, contribuent à la dépollution et la production d'énergie. Ils peuvent également servir à la valorisation des déchets ou au stockage d'énergie. Thank you.